pour récupérer la batterie, quoi. Ah, je la rate. C'est une belle tape là. Pas assez con pour venir. Joli. Ouais, c'est correct, mais c'est pas énorme. Eh, mais évite d'aller faire les cailloux, cocotte, hein. C'est pas 60 non plus, hein. Il y a une lacus là. On veut pas rester, mais. Loup! Future terreur ça. Est-ce qu'elle a tiré déjà? En a une. Oh! Correct en plus. Épuisette ou pas? Non. J'ai hâte à maîtriser une truite de 30 et quelques quand même, sans épuisette. Ouais, elle s'est piquée bizarrement ce con. Et puis elle a le stigmate d'un harle ou d'un cormoran. Hein. C'est quoi, voilà, prends pas de risque. Voilà. Poisson correct, 30 et quelques. Pas gros, mais c'est maillé encore. Vraiment, ils sont vénères, hein. Même calibre que celle que je viens de faire, ouais, fais voir. Ouais. Je veux pas la manche dessus parce que ça va enlever du mucus. Ils sont jolis, hein. Oh ben, toi, t'étais piqué compliqué si j'avais eu des ordis. Yon. Essaye derrière la branche. Là. Ah, elle a pris quand même. J'ai senti me gratter. Et 2-3 maillets. Reste un peu chiant de cette manche à venir se mêler de ce qui ne le regarde pas. Heureusement qu'il n'y a pas d'ardillon parce qu'elles ont tendance quand même des fois à se clouer dessus. Hein. J'ai senti la tape venir avant. Hein. C'est pas gros aujourd'hui. Hein. Alors il y a des touches, c'est déjà ça. Bien mieux que souvent, mais. Si elle pouvait faire 15 cm de plus chaque fois, je dirais pas non. Mieux.
tu me diras, ouais, c'est déposant. Voilà. On va faire cette bordure et basta. Hein. Enfin, basta, on verra après, hein, mais on va manger avant, quoi. Je vais prendre un truc de chaud. Ouais, c'est que je remonte pas là. Il y a une truite là? Ouais, c'est une grosse. Oh putain! Putain, je fais une petite bordure de merde. Hein. Non, pas dans le courant, pas dans le courant. Putain, je pense qu'elle fait 45, mais. Un gaz! Pas en dessous, pas dans les branches. Viens là, dans le calme. Ça sera un peu plus. Ah, des dents, cette conne. Voilà. Voilà une belle. N'est-ce pas les gars? M'a mis une belle branlée. Calme-toi. C'est un poisson costaud, hein. Putain, si elle a tiré. Toi. Franchement, tu m'as fait plaisir. Belle baston. Une prise, tu as tapé bizarrement cette cuillère, mais tu l'avais bien prise. Et après, tu as fait la fofolle. Hein. Ouais, tu veux partir, ça, oui. Moi, je t'ai mis de la terre sur le bout du museau. Je suis pas gentil. Allez, file. Choup. Ah, correct. Pas correctement, mais ça aurait pu être mieux, mais à la tape j'ai cru quand même. Je vais pas dire qu'elle fait rien, elle fait 30 plus. Voilà, peut-être même pas. C'est le fait qu'il y ait autant de courant qui fait que ça triche à la taille du poisson. Ouais, je pense que c'est le courant qui... Ouais, elle fait 30. 28, 30. C'est le courant qui fait que ça triche sur la taille du poisson en fait. Et hop. Va discuter avec les autres de ta mauvaise expérience avec une MEPS. Putain, elle m'a mis une première châtaigne. Reste avec moi, cocotte. 40 plus encore. Ah, l'autre m'a fait une plus belle balade. Elle était plus grosse tout à l'heure. Alors fais gaffe qu'elle s'est piquée le bout du nez là. Pas envie de la massacrer. On a assez fait joujou avec toi. Eh ben, deuxième beau poisson de la session. Je sais pas si le premier je l'aurais filmé. Ça a été plus grosse. Hein. Ça m'a fait un vrai chantier l'autre au moins. Poisson de 40, peut-être 42. Dans ces eaux-là, hein, elle est longue. Hein. Voilà. Même tchot. Bien grassouillette, hein, Kékette.
de 30. Mylène. Plouf.